Hello la chaîne de box, ici Gracie qui prend le contrôle de la chaîne pour vous présenter la toute première box que je reçois de chez Pousse Pousse. Donc qu'est-ce que la box Pousse Pousse? C'est une box éco-responsable, une box zéro déchet, à la mode un petit peu dans les tendances de l'upcycling et du recyclage de nos produits alimentaires et nos produits de consommation. Donc ça sera des idées, des DIY, des astuces dans ces box là pour un mode de vie plus respectueux de l'environnement. C'est une box qui nous permet de venir changer un peu nos habitudes quotidiennes en termes de nettoyage, de produits ménagers, mais pas. Donc ce mois-ci, qu'est-ce qu'on nous propose de faire? On nous propose de faire des pastilles pour les toilettes, du gel WC et pour finir un petit pchut sans bon, ça c'est hyper bien. Donc il y a des petits stickers à coller, je suppose, sur la bouteille, ça je les ai pas encore fait, donc je vous avoue, pour moi ça va être... Donc ça a l'air d'être des petits tutos assez rapides, puisque dans la box on nous retrouve, alors là j'ai 3 sachets de l'alcool éthylique, voilà c'est marqué dessus, comme le porte-salut. On a des huiles essentielles et un vinaigre blanc, voilà, pour le gel WC, c'est marqué dessus. C'est bien, c'est hyper intuitif, donc c'est cool. En gros, là, les recettes, oui, c'est bien ça comme ça, pour les produits toilettes, je vais pas les faire avec vous là, mais je n'hésiterai pas à en parler sur mes réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je crois que je vous dis à toutes les vidéos presque. Et donc, ce qui est bien dans le dossier, c'est qu'il vous explique à chaque fois, bah, le gel WC, ce qui est néfaste, c'est nocif pour l'environnement à cause du chlore qui se libère dans l'eau. C'est un produit qui est irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un emballage plastique à usage unique, ça clairement c'est pas bon. Et 99% des gels WC ont été classés comme cancérogènes possibles par l'être humain. Et on nous dit que bah du coup, pourquoi faire son gel WC de manière naturelle? C'est efficace, c'est économique, c'est non polluant et non néfaste pour l'environnement. Ça élimine les bactéries présentes et c'est 100% du produit naturel. Et à chaque fois vous avez la même chose, les pastilles WC pour le désodorisant. Dans ce petit livret, vous avez vraiment toute la marche à suivre, c'est expliqué de manière très simple, j'ai déjà lu, et pour moi c'est vraiment très... Enfin, c'est même quelqu'un qui n'est pas très doué pourrait y arriver sans souci, je pense. Des petites astuces consommation, les fruits et légumes du mois de mars, ça c'est trop bien. Moi, je de plus en plus essayer d'acheter que des fruits de saison. D'ailleurs, mon porte-monnaie me dit merci parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Peut-être c'est pas ceux que j'aime. Bon, vraiment, et bah, j'apprendrai à les aimer, vous voyez, c'est pas hyper grave. Puis j'apprends à cuisiner d'autres choses, des blettes par exemple. Et quand on continue à fouiner un petit peu dans le livret, donc les coulisses de Pousse Pousse, d'accord, c'est du carton écologique le livret. Et du coup, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir, je vous laisse l'image. Et on se retrouve du coup pour une prochaine ouverture de box. Bien sûr que je suis heureuse de l'avoir reçue celle-ci. Pour moi, c'est totalement mon rythme de vie maintenant et ma prise de conscience, mon changement éthique, ma façon de consommer. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Bisous.